Alors, poursuivons un peu le travail avec des outils pour pouvoir faire une base 100. On revient à des boucles et puis on calcule le rendement aussi à partir de boucles. Donc, on doit pouvoir chercher des choses sur le site. Donc, j'avais mis une petite correction sur les bases 100. Et voilà. Donc ici c'était pour télécharger les données avec Excel comme on faisait avant. Ensuite on fait des graphes, on les a faits. Ensuite ici on calcule les rendements. Donc c'est déjà fait avec les fonctions avancées, donc je laisse tomber ça. Je vais passer directement aux boucles. Aux boucles qui permettent de calculer une base 100. Donc je reprends mon exemple. Et puis je vais l'ajuster aux nouvelles variables. Donc je vais créer une variable. Donc j'avais une variable Apple 100, parce que je vais faire une base 100, un NAS, une Facebook, quoi d'autre? Donc j'ai 5 variables, le SP500. SP500 et puis Microsoft. Donc j'ai créé des variables vides, des variables nulles, et dans lesquelles je vais placer le résultat des boucles qu'on a en dessous ici. Donc qu'est-ce que je lui demande de faire comme boucle? Il va manquer encore un petit truc. Ici j'ai n, n1. N1 c'est la longueur de mon vecteur. Donc je vais lui faire length, donc de SP500, qui est la longueur de mon vecteur. Si je vais la nommer, je vais dire ça vaut 1, ça vaut n1, pardon. Et donc j'ai créé un truc qui va n1, et donc il vaut 1258 pas. Donc je vais faire la boucle 1251, et puis ici je ne perds pas de pas parce que je fais diviser par la valeur de départ. Donc le SP500 en bas 100, donc je l'ai mis en majuscule, donc je le laisse en majuscule, parce qu'en fait je mets ici le résultat, donc c'est ça qu'il faut que je mette. Ensuite SP500, donc on va chercher la variable SP500. Donc qu'est-ce que je lui dis? Tu divises la variable SP500 en i. Donc tu commences, d'ailleurs on doit commencer à la première, puisqu'on n'a pas de décalage. Tu commences à la première, tu vas jusqu'à la dernière. Et puis, ici, ça c'est pas de moins 1, parce qu'il n'y a pas de décalage comme sur le calcul du rendement. Donc on divise SP première ligne par SP dans la première ligne. Donc ici on fixe avec le 1. Cette valeur ne bougera jamais. On fait base 100 de la première ligne. On pourrait demander une base 100 d'un autre endroit, mais là, pour faire simple, on fait comme ça. Ensuite, on voit qu'on a un problème. Alors, il faut essayer de résoudre ce problème. On commence à 1. La première par rapport à la première. 1, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si j'ai fait ça. Si j'ai créé mes variables vide. Donc c'est pas ça, j'ai un autre problème. SP100, SP100. Je fais un petit test en mettant moins 1, là. Je fraude un petit peu, c'est pas ça. Alors, si je commence à partir de i égale 2, j'ai un petit souci encore. Normalement, je ne vais pas faire moins 1 ici. Je remplace par 0. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Ça vaut quoi ça? Le SP1. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je transforme parce que ça restait des données. Là, comme je veux faire une boucle, il faut que je retransforme en numérique parce que sinon il aime pas. As numérique. Parce que là, il y a les données qui sont XTS et donc il aime pas ça. Donc on retransforme les variables en numérique pour pas avoir de soucis. C'est un peu fastidieux, mais
les gains qu'on avait avec la fonction d'avant, ici c'est une petite perte. Parce qu'on lui demande de faire un truc que sans doute on doit pouvoir faire avec des données avancées. Donc c'est juste un peu pédagogique ça. Parce qu'on voit comment on fait. Donc là ça a bien marché. Donc mes bidouilles ici, j'essaie de trafiquer. C'était sans doute inutile. Ouais. Ensuite, ben, on fait un plot pour voir plot SP100. Alors ensuite, c'est une série temporelle, mais il ne le sait pas, donc on précise dans le graphique. Voilà, donc du coup, ici, on perd les dates. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une référence par rapport à 100. Donc il a augmenté de 50%, le SP500. Ensuite, on fait la même chose, ça marche, on est content. On fait la même chose avec les autres variables. Donc la difficulté ici, c'était simplement qu'il fallait transformer en numérique. Encore faut-il le savoir, hein. Hop. Ensuite, comment j'avais appelé ça? Je pense NAS. Ça doit être ça. Toute façon, si c'est pas ça, tant pis de le voir. NAS, ok. Ensuite, il n'a pas fait d'erreur, donc je refais. Du coup, si je veux faire une ligne supplémentaire, mon plot il est où? C'est pas bien organisé ça comme d'habitude. Je veux une ligne supplémentaire, lines, et puis je veux le NAS 100. Donc ça rajoute une ligne supplémentaire. Sauf que comme le NAS 100 a une amplitude plus grande, il vaut mieux que je commence par le NAS 100. Parce que sinon, je vais avoir rien. SP100. Donc là c'est mieux, on a les deux graphiques l'un sur l'autre, c'est bien. On peut continuer. Et puis on met celle qui a le plus d'amplitude en premier, de toute façon on va pouvoir avoir tout. Ensuite, Facebook, FB. Avec un peu de chance, c'est bien comme ça. FB. Alors FB, voilà, c'est pas avec un peu de chance. FB. Ça c'est pas de chance, je l'écris comment? En minuscule, forcément. Ça, FB. Les majuscules et les minuscules comptent, donc du coup, si on n'a pas ça, ça fonctionne pas. Là, ça a l'air de fonctionner, donc je peux rajouter une troisième ligne. J'ai appelé ça FB100. FB100, on va le mettre en premier parce que c'est celui qui est le plus gros. FB, ensuite NAS. Qu'est-ce qui s'est passé? Le NAS, il comprend pas. Il y a des histoires de minuscules, majuscules. Il faut être un peu plus précis avec ça. Il faut mettre des minuscules ou des majuscules, pas à moitié l'un ou moitié l'autre, sinon c'est une source d'erreur. Enfin, si on sait faire un peu, mais c'est dangereux quand même. NSFT, ensuite, je sais plus si c'est des minuscules, des majuscules. NSFT, j'ai fait comment? NSFT minuscule, Microsoft. NSFT, donc une fois qu'on a la formule pour l'un, bah, ça marche pour tous les autres. Hein. NSFT, donc on peut refaire une troisième line. Voilà. Il propose le truc à. Ah. NSFT, c'est bon, c'est un peu trop grand, donc on va remettre Microsoft à la place de Facebook, parce que ça a l'air d'être lui qui dépasse. C'est ça. Ensuite, j'ai fait des bêtises, parce que ça, j'en avais plus besoin pour mon truc ici, j'enlève ce dont j'ai pas besoin. Ici, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que je peux mettre des couleurs. Je garde ça. Ici, un peu de rouge. Ensuite, un violet. Et puis, je mettrai des quadrillages. Alors, j'ai mis deux fois rouge, c'est pas rigolo. Qu'est-ce que je peux mettre bleu? Ça commence à être mieux, puis encore un dernier, encore un autre,
c'est quoi? Microsoft Standard & Poor's, Facebook, Nasdaq, Apple. J'ai pas fait d'Apple. Apple. Et puis, je sais plus comment j'ai écrit Apple, n'importe comment. Apple. Alors Apple 100, ah j'ai pas créé la, ah si elle est là, mais je ne peux pas appeler de la même façon. On a le droit de faire des erreurs et on a surtout le droit de les corriger. Ça s'appelle Apple. Et puis on va mettre quoi? On a pas mis d'orange. Orange. Voilà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai tout, je crois. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, c'est très bien. On est content. On pourrait rajouter des titres. Main. Main. Pour le titre principal. Égal, entre guillemets. Base 100 des 5 titres. On peut trouver un titre un peu plus parlant, même. On pourrait aussi changer le titre des Ylab des ordonnées, puisque du coup il y a plein de trucs. Donc ici c'est base 100, ouais. Base 100. Du coup ça c'est aussi, je crois que c'est un égal avec des guillemets plutôt que des parenthèses. C'est ça. Time. Xlab égale 30. Donc là on perd un peu le temps, on perd le temps quoi. Mais il faudrait voir si on a ces fonctions base 100 dans les fonctions spécifiques de compte mode. Mais mon intérêt ici c'est de montrer aussi que on peut faire une boucle pour calculer la base 100. Voilà, c'est pas mal hein. On a fait à peu près tout, on rajoute un petit quadrillage. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est qui est noir? C'est le plus balèze. Donc du coup, ça doit être Microsoft qui finalement a connu la plus grosse progression. Et ensuite en bleu, c'est Facebook. Juste un peu derrière en orange, Apple. Assez loin derrière en rouge, le Nasdaq et puis le SP500. Mais de toute façon, c'est des indices de référence, donc c'est des moyennes de pas mal de titres, donc c'est assez normal qu'ils aient des progressions qui soient moins violentes que leurs titres individuels. Ok.